Bienvenidos todos a este primer semestre académico que se inaugura para el Departamento de Filosofía con esta conferencia que tendrá lugar a partir de unos minuticos a cargo del profesor Cristian Granea, cuyo título es Interpretar o Transformar el Mundo. El profesor Granea es doctor de la Universidad de Caen, tiene un estudio de habilitación en la Sorbona. Él fue también estudiante en la Universidad Libre de Berlín con Michael Treunissen y es actualmente profesor de la Universidad de Nantes. Es especialista en filosofía alemana, en particular en filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX, y también es especialista en hermenéutica contemporánea. Tiene una publicación del 2015, es la última entre otras, que se llama Diccionario de la Interpretación. Entonces, pues yo quiero dar las gracias al profesor Granea por haber organizado este evento, por haberlo organizado con tanta anticipación. Y a todos ustedes, quiero decirles que qué bueno que son tantos. Y bienvenido, profesor Granea. Adelante. Interpréter ou transformer le monde, la proposition la plus célèbre sur le rapport entre ces deux actes, l'interprétation et la transformation, est la 11e thèse de Marx sur Feuerbach, rédigée entre 1844 et 1847 et gravée en 1953 sur ordre du Parti socialiste unifié d'Allemagne, dans le marbre du mur qui fait face à tous ceux qui s'engagent dans l'escalier de la Humboldt-Université de Berlin, ce qu'on appelle le foyer. Après la réunification, ces paroles gravées comme symbole de la période communiste ont fait l'objet de polémiques et de discussions. Ne symbolisent-elles pas l'échec de la désaliénation et de l'émancipation promise? Elles ont finalement été conservées. L'ensemble de l'université étant classé monument historique. Dans la version rédigée par Marx, légèrement différente de sa reprise par Engels, cette thèse affirme « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agirait de le transformer. » On a pu lire cette thèse de la manière suivante, même si Marx pensait peut-être autre chose. Interpréter ou tenter de comprendre le monde est une chose, autre chose de le critiquer ou de tenter de le transformer. Autrement dit, l'interprétation est rattachée à la reconnaissance comme acceptation. Le réel n'est pas transformé par une interprétation de ce dernier. Au contraire, l'interprétation s'adapte au réel et l'accepte dans sa factualité. Elle s'en accommode. Il faut donc, si l'on ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, donner congé à la philosophie, aux théoriciens, aux idéalistes, aux idéologues et se lancer enfin dans la pratique. Je voudrais aujourd'hui, dans une perspective herméneutique, qui est les recherches qui nous unissent, vous présenter quelques réflexions sur ce statut accordé à l'interprétation. Je commencerai, sans entrer pour autant dans l'exégèse marxienne, par rappeler le contexte hegelien et feuerbachien de cette thèse. Je passerai ensuite, notamment en me référant à Adorno, à sa reprise dans les années 68, avant d'ouvrir sur sa portée dans le cadre d'une herméneutique critique. Attardons-nous un instant au contexte général de la rédaction de cette thèse. À l'époque de Marx, l'ancrage dans le présent renvoie à une certaine lecture de Hegel qui voit sa philosophie de l'histoire s'achever dans un présent éternel que l'avenir ne concerne pas. Le maintenant étant l'unité négative du passé et du futur, du non-être de l'être et de l'être du non-être, Hegel peut en effet écrire « Seul le présent est, l'avant et l'après n'ont pas d'être. Mais le présent concret est le résultat du passé et il est gros du futur. Le présent vrai est, par conséquent, l'éternité. »
Voilà pourquoi il convient de reconnaître l'Éternel dans le présent. Et ce qui vaut du présent vaut de l'esprit qui l'habite, à savoir l'esprit de la philosophie, pardon, l'esprit de l'histoire que la philosophie comprend. La philosophie, écrit-il, est identique à son temps, elle est le savoir de ce qui est substantiel dans son temps. C'est que si en histoire nous avons affaire à ce qui a été, en philosophie nous avons affaire ni à ce qui a été, ni à ce qui sera, mais à ce qui est et qui est éternel, à la raison. Et là, nous avons assez à faire. C'est là le sens de la formule célèbre. Conceptualiser ce qui est, c'est la tâche de la philosophie, car ce qui est la raison. En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps. Ainsi, la philosophie est-elle aussi son temps appréhendé en pensée. Aussi est-il tout aussi sot, je continue la citation, tout aussi sot de rêver qu'une quelconque philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rêver qu'un individu saute au-delà de son temps, qu'il saute par-dessus Rhodes. Si sa théorie va vraiment au-delà, s'il édifie un monde tel qu'il doit être, ce monde existe bien, mais seulement dans son opinion, élément moelleux dans lequel tout ce qu'il y a de gratuit se laisse imprimer. À proprement parler, il n'y a donc pas de philosophie du devoir, de l'avenir, et ce n'est pas l'imagination de la transformation qui importe. Même si cela n'exclut pas pour autant la critique, lorsque la réalité n'est pas conforme à ce concept. C'est en ce sens qu'à la fin de ses leçons sur l'histoire de la philosophie, Hegel invitait ses auditeurs, parmi lesquels figurait Feuerbach, à saisir l'esprit du temps et à le mettre au jour avec conscience, chacun en son lieu. Ce travail consiste, dit Hegel, à reconnaître en sa nécessité le progrès dans la conscience de la liberté. Or, la liberté elle-même, destination de la raison, doit être réalisée. On sait qu'elle le sera dans l'État et qu'elle a passé pour être intégrée au monde par le long travail de la culture, l'application de ce principe au monde définissant le cours de l'histoire. La question se pose alors de savoir quels sont les moyens de la réalisation de cette idée. Mais ce n'est pas tant contre Hegel que contre Feuerbach, le critique de la religion, que Marx dirige sa thèse. C'est une thèse sur Feuerbach. Or, pour Feuerbach, l'auteur de l'essence du christianisme, rien ne sert d'essayer de transformer le monde tant que la théorie erronée, qu'elle soit théologique ou religion, subsiste. Feuerbach a lu Marx, qui ouvre son introduction à la critique de la philosophie hegelienne du droit, publiée dans les annales franco-allemandes en 1844, par un hommage appuyé à Feuerbach. Pour l'Allemagne, la critique de la religion est pour l'essentiel achevée, et la critique de la religion est le présupposé de toute critique. Marx explique, dans ce texte célèbre, que l'homme est plongé dans le monde de l'homme, c'est-à-dire dans l'état et la société. La tâche devient alors, après la disparition de l'au-delà de la vérité, d'établir la vérité de l'ici-bas, en transformant la critique du ciel en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, et la critique de la théologie en critique de la politique. Bref, c'est la réalité sociale et politique qui doit être soumise à la critique. Pour cela, la philosophie doit se réaliser, dit Marx, c'est-à-dire devenir praxis, qui, si elle est à la hauteur des principes, sera véritable révolution. Feuerbach ne pouvait que souscrire à la suppression de la philosophie par Marx à travers sa réalisation, son effectuation, réalisation de servir quelqu'un, qui en appelle à la saisie de l'homme réel au moyen d'une praxis radicale. Pour Marx, cependant, la critique de la religion atteint ses limites en montrant que l'homme est pour l'homme l'être suprême, sans passer à l'homme pris dans la pratique. Aussi Marx, se référant négativement à Luther, affirme que la réforme, qui est un terme qu'on trouve chez Feuerbach, est le passé révolutionnaire de l'Allemagne, simplement théorique. Alors qu'est à venir le passage de la théorie à la pratique, qui trouve le sujet de la révolution et de la réalisation de la philosophie dans le prolétariat qui est le cœur de l'émancipation. Feuerbach lit ces lignes élogieuses de Marx sans en partager les conclusions. Il écrit à Arnold Ruge, certes, en Allemagne, comme dit Marx, la critique de la religion est pour l'essentiel achevée, mais uniquement pour l'essentiel.
et par conséquent, uniquement pour quelques têtes pensantes. Son résultat n'est pas encore une vérité immédiate, universelle, populaire. C'est-à-dire que l'émancipation de la religion n'est pas encore réelle. Et c'est pourquoi il faut reprendre l'activité critique dans le sens de la réforme et prolonger le travail sur les consciences. Il faut donc interpréter encore, c'est-à-dire faire entendre, comprendre de manière critique. On relèvera avec intérêt que dès 1842, Feuerbach suggère quelques corrections à Arnold Rouge et son éditeur concernant les épreuves de ses thèses provisoires en vue de la réformation de la philosophie, en lui demandant de convertir des verbes conjugués au futur au présent. Donc Feuerbach dans la lettre à Rouge, car il y a quelques futurs. Je suis un ami du présent. Seul le présent est le nôtre. Seul doit être dit ce qui est. Ce qui sera doit arriver. Pas de prophétie pour Feuerbach, pas plus que pour Hegel ou Kant, qui disait dans le conflit des facultés que si le philosophe veut dire quelque chose de l'avenir, il doit le faire. Plus d'un siècle après Marx, après l'expérience du communisme et au cœur de la guerre froide, Adorno peut écrire en 1966 que la philosophie ne s'est pas réalisée. L'ouverture de l'introduction à la dialectique négative fait ainsi directement référence à la 11e thèse de Marx sur Feuerbach. Je lis un passage plus long de la dialectique négative. Une philosophie qui parut jadis dépassée se maintient en vie parce que le moment de sa réalisation fut manqué. Le jugement sommaire, selon lequel elle n'aurait fait qu'interpréter le monde, et que par résignation devant la réalité, elle se serait atrophiée en elle-même, se transforme en défaitisme de la raison, après que la transformation du monde eut échoué. Il n'offre aucun lieu à partir duquel la théorie en tant que telle pourrait être convaincue concrètement d'anachronisme, ce dont on la suspecte après comme avant. Peut-être l'interprétation était-elle insuffisante qui promettait le passage à la pratique. Le moment auquel était rattachée la critique de la théorie ne peut être théoriquement prolongé. La praxis ajournée à perpétuité n'est plus l'instance d'opposition contre la spéculation satisfaite d'elle-même, mais la plupart du temps le prétexte pour étouffer comme veine la pensée critique sous l'exécutif, pensée dont une praxis transformatrice aurait besoin. Après que la philosophie eut manqué à sa promesse, à la promesse de ne faire qu'un avec la réalité, ou de se trouver sur le point de la produire, elle est contrainte de se critiquer elle-même sans ménagement. Dans la mesure où elle a manqué sa réalisation, la théorie philosophique que l'on croyait défunte n'est finalement pas dépassée. Mais de quel type de théorie s'agit-il? Pas de n'importe laquelle, car incontestablement, les activités théoriques sont multiples, comme expliquer, définir, décrire ou critiquer. Donc, comme dans la 11e thèse, il est question chez Adorno de l'interprétation. La question ainsi reprise n'est pas sans rapport avec ce qu'on appelle la pensée 68 et son exigence de pratique, à savoir descendre dans la rue. Si l'on regarde ce qui a précédé 1968, ce qui y a conduit, et plus particulièrement en Allemagne, on constate d'abord un déficit de théorie. Les théories anciennes, celles qui dominaient le milieu universitaire traditionnel, ne satisfaisaient plus. On attendait des théories nouvelles, notamment l'introduction en université de la théorie critique, représentée alors par Horkheimer et Adorno, et leurs jeunes collaborateurs, dont Habermas. C'est là qu'en 1965, l'imposante figure de Adorno, du philosophe allemand Adorno, est devenue incontournable. C'est de lui, du représentant de la théorie critique, que les étudiants allemands attendaient la théorie qui permet de rendre compte de leur mal-être, des questions qui commencent à les agiter, et qui permettrait d'articuler théorie et pratique. Si la pensée pré-68 allemande sera celle de la théorie, la pensée post-68 sera celle de la remise en cause de cette théorie. On le verra notamment dans le rapport avec les philosophes français. Bref, il y a eu un tournant et qui portait tout particulièrement sur le rôle de la théorie. On rappellera qu'en 1963, c'est sous le titre « Théorie et pratique »
que le jeune Habermas publie son premier recueil d'études en philosophie sociale. Prenons un exemple pour illustrer ce malaise. En 1965, Adorno, au fait de sa renommée, fait cours sur la dialectique négative, qui apparaîtra donc peu après, et reçoit en novembre la lettre d'un étudiant, Rudolf Bauer, qui lui écrit « Cher professeur Adorno, pour notre génération, ou du moins pour toute une partie d'entre elles, l'expérience qui nous a ébranlés est que nos parents ont vécu sous le national-socialisme sans avoir pu nous expliquer pourquoi ils ont tout accepté. Sauf qu'ils disaient qu'il n'y avait rien à faire. D'où notre interrogation pour savoir ce que signifie, ce que pourrait signifier la philosophie pour la pratique. La théorie peut-elle être pratiquée ou non? Vos efforts visent-ils une transformation du monde? » Question adressée à Adorno. Adorno a consacré une partie importante de sa leçon, qui sont publiées, à répondre à cette question, qui trouvera son inscription dans la dialectique négative, dans le passage que nous avons lu. Dans sa réponse, Adorno parle du constat que le passage à la pratique, c'est-à-dire l'invitation faite aux philosophes d'abandonner leur activité théorique au bénéfice de la politique, n'a pas porté ses fruits. Mais si cela ne s'est pas fait, alors reporter le passage de la philosophie à la pratique aux calendes grecques ne saurait faire de cette pratique éternellement repoussée, un argument contre la philosophie. Il faut en tirer une conséquence. La philosophie qui déclarait la philosophie dépassée par sa réalisation est elle-même dépassée, à partir du moment où cette réalisation n'a pas eu lieu. Ou alors, peut-être seule une philosophie qui ne se précipite pas immédiatement dans la transformation est capable de transformation. Car, en effet, ne serait-on pas en droit de penser qu'il n'y a pas de dichotomie radicale entre théorie et pratique? Même Marx ne pensait sans doute pas à une action absolue coupée de toute théorie, à un activisme pur qu'il reproche précisément, par exemple, aux anarchistes. Et Marx ne pensait certainement pas non plus qu'il fallait renoncer à la théorie au sens où il fallait descendre dans la rue et se mettre à frapper sans avoir à penser. Ce qui ne signifie pas non plus qu'à l'inverse, la philosophie puisse ou doive revenir à une conception purement contemplative ou à un savoir désintéressé, à une pensée qui se suffit à elle-même en dehors de la praxis, à une vertu dianoétique au sens d'Aristote. Appeler à transformer et non plus simplement interpréter le monde n'est donc pas un pur projet de la théorie, mais un appel à une théorie qui serait elle-même pratique. Bref, il y aurait d'un côté une théorie qui ne serait que théorique, l'ancienne philosophie, comme contemplation ou science, comme connaissance, et de l'autre, une théorie qui serait pratique. C'est de ce dernier type de théorie que relève l'interprétation. Si la première se contente de connaître le réel et l'accepte tel qu'il est, la seconde, que nous appelons interprétation, n'est pas acceptation, parce qu'elle est nécessairement critique et ouvre sur la praxis. S'il y a eu échec dans la transformation du monde, ce n'est pas en raison d'un excès d'interprétation, bien au contraire, c'est parce que le monde n'a pas été assez interprété, disait Adorno. Ma thèse, écrit Adorno dans sa réponse à l'étudiant cité plus haut, est que l'interprétation est critique. Sans interprétation en ce sens, il n'y a pas de pratique véritable. Que peut-être une telle interprétation où la théorie n'exclut pas la pratique, c'est-à-dire une interprétation dont on ne peut pas dire qu'elle n'est qu'interprétation ou simple interprétation. C'est là qu'il faut préciser ce qu'il faut entendre par interprétation, qui ne se confond pas avec la compréhension et dont il faut distinguer les rapports avec la critique à plusieurs niveaux. Je distinguerai schématiquement ces niveaux de la façon suivante. Premièrement, la compréhension immédiate et l'absence d'interprétation. On commencera par distinguer donc une compréhension immédiate où l'on comprend sans interpréter, sans se poser de questions, et une compréhension critique. Je comprends immédiatement lorsque je sais quoi faire, lorsque le sens que je reçois en lisant ou en entendant me satisfait, lorsque je ne me pose pas plus de questions et que je puis agir ou continuer de lire, d'entendre. Le sens qui m'apparaît immédiatement me suffit alors d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire au vu des intérêts qui m'animent à ce moment précis. Ainsi, par exemple,
Je peux poursuivre la lecture d'un texte, je peux continuer la conversation avec quelqu'un, je peux agir, je peux m'orienter sans en demander davantage. Bref, il y a une compréhension qui n'appelle pas d'interprétation. Deuxième niveau. Mais il y a aussi, et c'est elle qui nous intéresse, une compréhension qui plonge ses racines dans la non-compréhension. Une interprétation qui plonge ses racines dans la non-compréhension. Là, je dois interpréter. Une compréhension qui plonge ses racines dans la non-compréhension. Alors, c'est une erreur. D'accord. C'est une incompréhension qui tient sous traits et la non-compréhension. Voilà. Pour comprendre vraiment, il faut d'abord ne pas comprendre. Là, je dois interpréter parce que je ne comprends pas. L'interprétation ayant affaire avant tout au non-sens. Par exemple, un texte incomplet, contradictoire, fragile. L'interprétation recourt alors à une multiplicité d'opérations pour élaborer une compréhension, un sens. On se réfère à ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'on rapporte l'inconnu à du connu, on compare, on traduit, on contextualise, on explique, on explicite, on imagine, on devine, on décrit, on analyse, etc. Bref, on interprète pour comprendre qu'on y parvienne effectivement ou pas. Nous pouvons appeler cette forme d'interprétation ancrée dans la non-compréhension une interprétation critique. Elle est en effet confrontée à une négativité première à laquelle elle se confronte. C'est parce que je ne comprends pas ou que je comprends mal que je dois interpréter. Je ne puis, par exemple, pas continuer la lecture du texte que je ne comprends plus, poursuivre ma discussion avec autrui dont les propos me paraissent inintelligibles, orienter mon action que je suis de ce fait obligé de suspendre. Cette volonté de comprendre qui se manifeste dans l'interprétation peut s'arrêter dès lors que je me satisfais de compréhension, que je saisis un sens, le sens étant ce que l'on comprend, c'est-à-dire lorsque je décide de ne pas comprendre davantage. L'interprétation cesse alors, le sens est la fin de l'interprétation. On peut dire que cette interprétation est critique puisque l'on y corrige ou complète sa compréhension immédiate qui s'est avérée insuffisante au regard de nos projets, la critique se révélant alors être un élément immanent à la compréhension comme conquête sur la mécompréhension ou la non-compréhension. On peut distinguer d'autres niveaux de la négativité habitant la compréhension que nous avons appelée critique. Niveau, pour une large part, tributaire d'attitudes métaphysiques fondamentales qui impliquent des perspectives variables du travail de l'interprétation. Schématiquement, on peut les rapporter à trois orientations fondamentales. On peut croire, par rapport à la question du sens, on peut croire que le monde est dans son fond incompréhensible, lisible, c'est-à-dire sensé, et c'est pourquoi on cherche à le comprendre. L'interprétation consiste alors à déchiffrer, à lire le livre de la nature, et pourquoi pas espérer remonter aux intentions de son auteur. On peut penser à l'inverse, que le monde n'est pas sensé, et qu'il résiste par conséquent naturellement à notre intelligence. C'est pourquoi on est condamné à l'interprétation, à une interprétation qui jamais ne se fige en sens. Tout est alors interprétation. Et en admettant que ceci aussi ne soit qu'une interprétation, dit Nietzsche, et n'est-ce pas ce que vous vous empresserez de me répondre? Eh bien tant mieux, répond Nietzsche. On peut penser enfin que le sens est à la fois ce qui se dévoile et ce qui se soustrait à notre approche. C'est la lecture heideggerienne dans les intermittences de l'interprétation. Quoi qu'il en soit, l'interprétation au sens fort du terme n'est véritablement nécessaire que lorsque l'on renonce à la présence de la totalité et du sens, les deux étant intimement liés. Aussi, fondamentalement, interpréter le monde, c'est adopter une attitude critique au regard de la compréhension même du monde, se demander ce qu'on peut comprendre et ce qu'on ne peut pas comprendre en situation de finitude, en tenant compte des limites et des conditions de possibilité de la compréhension elle-même. On peut tirer de cela des conséquences pour comprendre en général ce qu'est l'interprétation. L'interprétation combine, reconstitue, reforme, reconfigure, en renonçant à l'idée d'un sens captif de l'intentionnalité d'un sujet. On en fait régulièrement l'expérience dans le décalage entre celui qui produit le sens et celui qui le reçoit. La visée de sens peut échapper tant à celui qui lit ou entend, qu'à celui qui parle ou écrit, qui de ce fait ne jouit pas d'un privilège de la compréhension.
un lecteur peut alors mieux comprendre l'auteur que ce dernier se comprend lui-même. Une telle interprétation, qui s'en tient à la chose même, peut être appelée une interprétation véritablement matérialiste, qui consiste à exposer autrement ce qui est. À la différence de la connaissance qui saisit les phénomènes à l'aide de concepts ou de théories préalables, une interprétation des choses mêmes procède autrement dans l'identification de ce qui est. Car il faut distinguer deux formes d'identification. Ça, c'est ce que précise entre autres Adorno. On peut identifier une chose avec une autre, l'assimiler à autre chose. Ou alors, on peut identifier une chose comme ce qu'elle est. D'un côté, il s'agit d'une identification du non-identique, où l'on ramène quelque chose à des déterminations connues. De l'autre, il s'agit de l'interprétation proprement dite, qui invite à séjourner auprès du singulier, de l'individuel, de le réfléchir. C'est cette dernière activité qui constitue proprement l'interprétation, qui vise la réalité au plus près, sans la ramener à autre chose qu'elle-même. Ce faisant, la nécessité de l'interprétation critique ne tient pas uniquement à la finitude du sujet de la connaissance qui ne parvient pas à fixer un sens, mais aussi au fait qu'un objet peut lui-même se présenter de manière déformée, voilée, faussée. L'interprétation alors aura alors pour fin de soupçonner, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, de déconstruire, Heidegger, Derrida, d'émanciper, Habermas, Honneth, etc., qui sont autant de synonymes de ce qu'on appelle interprétation, en la rattachant au terme charismatique de critique. Car critique, qui ne le saurait pas volontiers, puisque l'école de Francfort, Foucault ou Butler le sont. Ricoeur, prenant appui sur la psychanalyse, utilise le terme de soupçon. Faire d'art, l'emprunte à Nietzsche, plus difficile, car être soupçonneux est bien plus moins positif qu'être critique. Quoi qu'il en soit, par ce travail de destruction et de reconstruction par l'interprétation, il y a transformation, transformation de la compréhension de soi et du monde, et par conséquent, transformation de notre rapport au monde. On sait qu'en corrigeant des distorsions du sens et les illusions, le paradigme, notamment pour l'école critique, en est la psychanalyse et la critique des idéologies, on se transforme et on s'émancipe en se libérant des contraintes et en développant l'autonomie. Il va de soi qu'en ce sens, l'interprétation n'est pas seulement critique d'une connaissance déficiente, mais aussi de souffrance et d'aliénation. C'est en ce sens qu'il y a transformation. Il existe enfin, c'est le quatrième et dernier point, il existe enfin une dimension plus fondamentale encore de lien entre la critique et l'interprétation, celle qui plonge ses racines dans la négativité même du monde. Il ne s'agit plus alors de placer la critique du côté des limites d'un sujet qui ne comprend pas en raison de sa finitude, ni d'un objet qui se présente avec des distorsions et dont il s'agit de s'émanciper. L'interprétation est critique lorsque l'incompréhension à laquelle elle se heurte manifeste ce qui ne doit pas être comme ce que nous ne pouvons pas accepter, comme par exemple le mal, la souffrance, l'insupportable, l'impardonnable, etc. L'expérience du non-sens qui a appelé l'interprétation et met en évidence l'impossibilité de comprendre parce que ce qu'il s'agirait de comprendre est quelque chose qui ne doit pas être et qu'on ne peut par suite accepter de comprendre. L'impossibilité de comprendre inaugure alors une interprétation critique de ce qui est qui invite à exclure quelque chose du champ de la compréhension. Elle est en ce cas critique parce qu'elle refuse de s'achever dans la compréhension, comme la souffrance insensée d'innocents, de victimes de massacres humains ou de catastrophes naturelles, on peut penser, pour ce dernier cas, à l'ébranlement de l'optimisme consécutif au tremblement de terre de Lisbonne, qui est très important dans la philosophie du XVIIIe. C'est là qu'au regard de l'interprétation prend sens la formule de Madame de Staël, « comprendre, c'est pardonner ». Cette formule qui ne reproduit pas le reproche d'accommodation fait à l'interprétation que j'ai citée au début. Vous pouvez interpréter, vous ne pouvez pas comprendre. En disant non au négatif, l'interprétation qui s'accomplit dans la non-compréhension réalise sans doute le geste critique le plus radical, qui en même temps appelle la transformation parce qu'elle est immédiatement normative en attestant de ce qui ne doit pas être.
Je ne peux pas ici développer davantage, je voulais simplement rendre attentif aux implications du travail de l'interprétation qui, dans son effort de compréhension, est non seulement provoqué par ce qu'on ne comprend pas, mais encore plus profondément par l'expérience du négatif dans le monde. Ce qui fait que certains affirment même que tout travail de constitution du sens trouve son fondement dans le non-sens. L'interprétation se fait alors effort, élan, vers non pas un sens absolu, mais vers la négation, la protestation et la résistance à l'égard de ce qui est. J'avais commencé avec Adorno, c'est à lui que je voudrais revenir. Il nous avait dit que l'interprétation était critique et que la philosophie pouvait dès lors être caractérisée à partir de son interprétation, de son attitude interprétative. Et Adorno va jusqu'à écrire en 1965 « Le bonheur de la pensée, das Glück des Gedankens, consiste en tous les cas aujourd'hui dans l'interprétation. Ce bonheur, ou la chance, das Glück, consiste dans le fait que les phénomènes signifient toujours autre chose que ce qu'ils sont simplement, qu'ils laissent donc apparaître autre chose que ce qui est. Car c'est bien là ce que signifie la proximité de l'interprétation et de la critique. Les choses n'existent pas simplement, elles ne sont pas simplement ce qu'elles sont. L'interprétation, citation de Adorno, l'interprétation conduit à briser la simple existence. Ce que l'interprétation promet de plus profond à l'esprit, ce dont elle nous assure, c'est que ce qui est n'est pas l'ultime, ou bien plutôt que ce qui est n'est pas simplement ce pour quoi il se donne. C'est parce que l'interprétation brise la simple existence, dont elle ne se contente pas, qu'Adorno pense que l'attitude interprétative en philosophie est l'archétype d'un rapport utopique à la pensée. Interpréter signifie en vérité prendre conscience de la trace de ce qui, dans ce qui est, fait signe par-delà le simple étant, et cela au moyen de la critique, donc au moyen de la connaissance du caractère éphémère, insuffisant et faillible du simple être. Dit autrement, l'interprétation rouvre le possible qui veut faire advenir quelque chose qui n'est pas. Cela implique un travail de l'imagination, il faut imaginer ce qui n'est pas, que Husserl appelait l'imagination libre. Pour Husserl, la situation privilégiée de l'imagination libre est celle de la fertilisation qui permet de la voir comme une faculté exploratoire qui travaille sur ce qui est transmis. L'imagination est une force exploratoire qui libère les virtualités de l'histoire. C'est là ce que Ricoeur, dans son dialogue avec Castoriadis sur l'histoire et l'imaginaire social, appelle la rétroaction, qui oppose une autocréation, qui est l'idée de Castoriadis, aux reconfigurations successives, retrouvant la dimension originelle de l'art d'interpréter, qui montre comment nous parvenons à dire du nouveau dans le langage qui nous est transmis. En effet, nous apprend l'herméneutique, nous ne sommes jamais, c'est une citation de Ricoeur, nous ne sommes jamais en position absolue d'innovateur, mais toujours d'abord en situation relative d'héritier. Et nous ne produisons pas tout dans ce que nous produisons. C'est pourquoi, plutôt que de création, Ricoeur parle de production, en particulier dans la dimension historique, qui s'oppose à la simple événementialité de ce qui nous arrive. Se soumettre à l'histoire et la présenter comme subie selon le mot d'ordre que l'histoire ne nous appartient pas mais qu'au contraire nous lui appartenons, serait surévaluer l'espace d'expérience par rapport à l'horizon d'attente, pour reprendre des expressions de Reinhard Koselleck. Car il n'y a pas que des lectures traditionnalistes de la tradition. Le travail de la tradition ne concerne pas simplement ce qui nous a fait en transmettant une proposition de sens, mais ce sens doit à son tour être interprété, puis s'inscrire dans des processus de justification, d'argumentation et finalement de reconstruction. C'est ainsi que la fusion des horizons relève d'un véritable travail et que la tradition est soumise au travail d'interprétation où s'enchaînent interprétation et réinterprétation. Dans ce mouvement, le réagencement produit du nouveau dans l'écart avec l'existant, à même l'existant. C'est là le sens positif de l'utopie, qui, en instaurant le non-lieu, lieu qui n'est pas ici même,
mais qui n'est pas pour autant l'absence de lieu, empêche l'horizon d'attente de fusionner avec le champ de l'expérience. C'est ce qui maintient l'écart entre l'espérance et la tradition, permettant de penser une productivité de l'imaginaire. Si effectivement on ne reproduit pas simplement le passé comme une copie, mais qu'on ne le produit pas non plus à partir de rien, mais à travers des reconfigurations, on peut se demander où aller puiser ces éléments qui rendent possible une telle reconfiguration. Entre autres, je dirais que, dans une espèce de grande réserve événementielle, des réserves de sens consignés qui nous sont transmis par l'histoire. Il retrouve ici Husserl, qui écrivait dans Les Idées. On peut tirer un parti extraordinaire des exemples fournis par l'histoire, et dans une mesure encore plus ample, par l'art, en particulier la littérature. Sans doute, ce sont des fictions, mais l'originalité des reconfigurations, la richesse des détails, le développement sans lacune de la motivation, les élèvent très au-dessus des performances de notre propre imagination et peuvent en outre être très facilement et parfaitement transposées en images claires dans la compréhension grâce à la force de suggestion des moyens artistiques de l'exposition. En articulant l'espace d'expérience où les significations se partagent et se sédimentent dans la synchronie, sur l'horizon d'attente où l'imagination produit des synthèses et des significations nouvelles, le sens du possible se trouve ravivé. Le modèle de Ricoeur, dans son dialogue avec Astoriadis, est emprunté à son travail sur la métaphore, qui permet, tout en recourant à des champs sémantiques existants, à produire des significations nouvelles. Autrement dit, le passé recèle une force vive qui fait la tradition vivante. Il faut, écrit Ricoeur, résister au rétrécissement de l'espace d'expérience. Pour cela, il faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé que sous l'angle de l'achevé, de l'inchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui des potentialités inaccomplies, empêchées, voire massacrées. On peut ancrer ici une critique transformatrice qui ne projette pas l'utopie dans un grand au-delà, dans un paradis éternel à venir. Pas besoin sans doute de projeter un grand soir ou une rédemption. On le voit dans les projets d'échelle plus modeste, qui ont fait sans doute aussi davantage bouger les choses. Que l'on pense à la démarche de Michael Walzer ou d'Amartya Sen. Lorsque je critique le réel, je sais qu'il y a des choses que je peux faire et des impossibilités réelles. C'est-à-dire que je sais que tout n'est pas également possible. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments disponibles dans votre contexte qui n'ont pas actuellement d'influence immédiate, mais qui sont à notre disposition. C'est là une réserve culturelle dont tout le monde peut disposer, un stock, une réserve de sens, comme disait Ricoeur tout à l'heure, et de potentialité dans laquelle on peut puiser et qui peut exercer une influence. C'est là qu'intervient l'imagination, pas arbitraire, mais libre, comme dit Husserl. Elle ne permet pas, au demeurant, simplement de dégager les virtualités du réel. Husserl parle bien, dans la citation que je viens de donner, de motivation, ce qui signifie une puissance mobilisatrice, un passage à l'agir, dans l'acte même de l'imagination. Les virtualités dégagées permettent d'exhiber des ressources qui peuvent, notamment au plan moral et par suite social et politique, être utilisées dans un processus de réflexion critique. Cette force mobilisatrice tient au fait que l'interprétation par elle-même est critique et praxis. Voilà qui réarticule l'interprétation sur la transformation, ne se contentant pas du champ de l'expérience. En brisant la simple expérience, qui est là comme simple chose et non pas comme sens, l'interprétation devient, comme critique, le lieu même de l'accomplissement de la négativité. Citation d'Adorno. Ce moment de la négativité est l'élément critique de la philosophie. Interprétation et critique doivent coïncider au sens le plus profond du terme. Et c'est pourquoi je tiens pour si insensé d'exiger, par exemple, que l'on comprenne d'abord pour pouvoir critiquer ensuite. Parce que l'attitude compréhensible, c'est-à-dire interprétative, qui est celle de la négativité, du déclin immanent du phénomène lui-même, est précisément liée à la critique
de ce que le monde a fait du phénomène. La théorie devient pratique quand elle devient interprétation critique. Certes, la réalité n'est pas immédiatement transformée par l'interprétation, mais sa transformation est exigée parce que l'interprétation dit que la réalité devrait et donc pourrait être autre qu'elle fait. Elle ouvre les possibilités que recèle chaque objet et s'oppose à la fixation de la réalité. Évidemment, on ne sait pas pour autant comment réaliser concrètement la pratique. Mais on ne peut pas dire non plus que l'interprétation n'est en rien pratique, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien. Une interprétation réussie dégage en effet les failles de ces objets et ouvre l'horizon de ses possibles. L'interprétation est la critique des phénomènes fixés et figés, et donc leur transformation. Dit autrement, le monde ne se réduit pas à ce qui est. Il y a aussi dans le monde du virtuel une dimension de non-factualité. Nous ne sommes pas simplement ce que nous sommes. Il n'y a pas dans le monde simplement ce qui est, mais aussi ce qui devrait être. Ce qui est peut-être une manière de lire Hegel, non pas opposer le monde du devoir être à ce qui est, mais trouver l'un au cœur de l'autre. On le voit lorsque notre confiance dans le monde est ébranlée dans la plainte. Donc, comme le dit Michael Walzer, le critique social et le spécialiste, lorsque notre adhésion immédiate aux significations partagées est remise en question et que nous nous mettons à réfléchir. Dans cette plainte qu'il entend et recueille, le critique peut inscrire son travail en mettant en avant des aspects de la morale dominante qui étaient tout d'abord plus marginaux et peut ainsi provoquer non seulement une nouvelle interprétation, mais également un changement graduel du discours moral. On comprend qu'une telle réflexion implique une prise de distance avec un problème apparu dans le monde qui engage la question de savoir comment le modifier. C'est alors la visée de ce qui n'est pas qui va guider l'action et lui donner son sens. On le sait au plan moral. La morale ne nie pas que quelque chose existe, mais elle en appelle à quelque chose qui n'existe pas pour évaluer ce qui est. C'est en cela que consiste la critique. La question est alors de savoir où l'on va puiser cette contrefactualité. C'est possible qui ne sont pas ce qui est, mais qui permettent de critiquer ce qui est, et que l'on s'efforce, comme disait Adorno, de réaliser dès qu'on les conçoit. L'interprétation critique peut faire surgir des contradictions, des incohérences, et alors être rappel d'une règle qui existe, mais que la réalité démontre. On reste alors dans l'horizon existant, comme on le voit souvent, mais pas toujours d'ailleurs, chez Walzer. Mais on peut aussi aller plus loin, élargir l'horizon, et pour cela mobiliser contre-factualité déjà présente dans le monde. Nous avons des exemples de ce qui se passe ailleurs, etc. Nous pouvons user de la vertu du décentrement pour élargir le monde politique ou créer des significations sociales. C'est là ce que défend de manière convaincante Amartya Sen, qui, dans l'idée de justice, oppose la comparaison des situations réelles à ce qu'il appelle l'institutionnalisme transcendantal, invitant à développer la réflexion critique à même les réalisations concrètes. Sen à ses précurseurs. Il se réfère à Adam Smith, Condorcet, Bentham, Marx, Mill et bien d'autres, dont la méthode comparative visait à dégager des possibles comme autant de contre-factualités. Je cite Amartya Sen, « Même si ces auteurs, ceux que je viens de citer, ont des conceptions très différentes des exigences de la justice, et s'ils ont proposé des modes de comparaison sociale tout à fait distincts, on peut dire, en exagérant à peine, qu'ils étaient tous engagés dans des comparaisons entre sociétés existantes ou qui pouvaient supposément émerger et qui ne limitaient pas leurs analyses à la quête transcendantale d'une société parfaitement juste. Ce qui intéressait souvent en premier chef ces adeptes de la comparaison entre réalisations, c'était d'éliminer certaines injustices manifestes du monde qu'ils avaient sous les yeux. Il y a là toute une palette, et qui donc ne devait pas être. Il y a là toute une palette de possibilités qui s'offrent à nous, où l'on peut faire jouer l'imagination, qui nous permet de voir les choses autrement qu'elles nous apparaissent actuellement, cette imagination étant, comme disait Husserl, fertilisée par l'histoire, d'autres cultures, etc. On peut voir là un effet positif de la mondialisation, qui est la mise en commun d'un potentiel de contrefactualité, de possible. On sait ce qui se passe ailleurs, et on peut donc y puiser l'imagination ouvrant alors un champ de valeurs auquel se référer. Le décentrement qui appelle la comparaison et l'imagination nécessaire parce qu'on compare toujours l'incomparable, est l'un des moyens de trouver des ressources critiques qui permettent de construire un dépassement de la situation existante. Cela signifie que l'on peut puiser
ailleurs qu'en notre propre fond des éléments permettant de penser des possibles critiques. Marx disait, nous ne nous présentons pas au monde en doctrinaire avec un principe nouveau. Voici la vérité, ça c'est le doctrinaire du principe nouveau, voici la vérité, à genoux devant elle. Nous développons pour le monde de nouveaux principes à partir des principes du monde. Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt dans les principes. Les nouveaux principes ne peuvent être dégagés qu'à même la réalité existante, au sens large, ouverte sur le monde, qui doit donc être interprétée. Le dégagement des possibles n'est pas ici un grand bond imaginaire jusqu'à un monde parfaitement juste, mais une ouverture à même le réel qui pousse, je cite encore un Marquès Sèvres, à des débats sur la justice ou l'injustice dans le monde, par exemple la faim, la pauvreté, l'analphabétisme, la torture, le racisme, l'oppression des femmes, l'incarcération arbitraire, ou la privation de soins médicaux en tant que réalité sociale auquel il faut remédier. C'est sans doute ce mouvement qu'a pu apprécier le jury Nobel à l'époque des travaux, dans les travaux d'Amartya Sen, plus récemment dans ceux d'Esther Duflo et Abhijit Banerjee, qui portent sur les réactions des gens dans des contextes précis et permettent à même le réel, justement interprété, de le transformer. Est-ce à dire que l'interprétation est par elle-même transformation? Nous avons dit qu'elle recèle un potentiel critique, qu'elle relève des contradictions, qu'elle appelle à des mises en cohérence, qu'elle ouvre des possibles. Mais en même temps, il ne faut sans doute pas trop rapidement assimiler interprétation et transformation. Il y a des transformations qui semblent se passer d'interprétation, tout comme Walzer le remarquait, il y a de bonnes interprétations qui ne débouchent pas sur des transformations. Mais cela ne réduit en rien la portée critique de l'interprétation. Je vous remercie. Des transformations sans interprétation. Des interprétations différentes. Et des interprétations différentes, c'est ça? Bon, comment dire? Alors, le choc, bien sûr, il y a une première question concerne le conflit des interprétations, c'est ça? Non, la question c'est simplement s'il y a des interprétations qui amènent à la transformation. Mais si on peut parler de transformation politique qui obstaculise, qui empêche l'interprétation, qui va contre l'interprétation. Ici, Bolsonaro, oui. Bon, son développement social, mais qui n'a pas vraiment une interprétation, mais ça développe une nouvelle interprétation. Oui, à mon sens, je parle dans la langue. à mon sens, je ne sais pas si la question est bien formulée comme ça. Parce que, est-ce qu'on peut dire que Trump, il n'y a pas d'interprétation?
Est-ce qu'on peut dire que Bolsonaro, il n'y a pas... C'est difficile, parce qu'il répond, il s'inscrit dans une échelle de valeurs, dans une carte des valeurs, qui certes peut être, n'est pas nécessairement partagée, mais qui répond à un certain type d'interprétation. Il dit que, quizás la pregunta no debería formularse así, porque incluso cuando se habla de Trump y Bolsonaro también hay una interpretación, responde a determinada escala de valores, responde a determinado contexto, entonces es difícil decir que no hay interpretación. Y entonces una interpretación que se transforme debe se referir a des valeurs, a des conflits de valeurs, en disant que, par exemple, les actions de Trump vont contre la constitution des États-Unis, contre les droits égaux, etc., etc., contre la, ce qu'on a cité là à propos de la Marty Alston, tenir compte des inégalités sociales, médicales, d'accès aux soins, etc. Il dit que ces actions, en tout cas, doivent se situer contre une escala de valeurs, llamémoslo contre la constitution américaine ou contre certaines injustices, comme dans le cas de Marty Alston, les injustices qui se citaban allí. Donc, il y a une relation à une escala de valeurs. Y estas acciones tienen una interpretación. Entonces, va a ser. Sí, sí. Quisiera preguntarle en el apartado 4 del texto: usted hablaba de interpretación, interpretar sin comprender, y se refería a fenómenos como el sufrimiento, pues caracterizado como aquellos que no tienen sentido, y es como un intento de comprender lo que no debe ser. Si entendí bien, era como la idea que estaba ahí en juego. Y mi pregunta es, usted menciona que la interpretación es una actitud crítica, casi una tendencia hacia la negatividad de la realidad, pero no entiendo en el caso del sufrimiento cómo sería una reinterpretación, es decir, si ya tenemos una interpretación de por lo que es el sufrimiento, en casos concretos, ¿cómo se llega con una actitud crítica frente a ese tipo de fenómenos para darle una lectura diferente? ¿Sí, sí me explico? Non, non, il part du passage, il part de l'interprétation radicale, c'est la négativité du monde. Et où est l'aspect critique de cette interprétation? Si on parle de la souffrance, des choses qui ne devraient pas être, des choses négatives, de quoi tu parles, comment on peut réinterpréter la souffrance et les négatives? Alors, il y a deux choses. Il y a, quand j'ai dit qu'il y avait une interprétation, qui était l'interprétation la plus radicale, négative la plus radicale, qui est l'ego, que ce que Kant appelait le mal radical, qui existe dans le monde. Là, l'interprétation, en fait, dit qu'on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire affirme la non-compréhension. Débouche sur le fait qu'on ne peut pas donner de sens à ce qui ne peut pas s'inscrire justement dans ce où l'interprétation ne peut pas s'achever dans une compréhension. On est obligé de dire que ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas compréhensible. Si, il dit que en esos casos, cuando él hablaba de interpretación radical, en el pasaje que usted menciona, se trata de la interpretación que hace frente a aquello que, por ejemplo, Hannah Arendt llama el mal radical. Y que en ese caso la interpretación no se consuma en comprensión, porque justamente lo que llega es a decir, eso no se puede comprender, no se puede aceptar, eso no tiene sentido. Esa es una crítica radical, pero que no es una transformación como tal, porque efectivamente se trata de decir no. Y ahí no habría una transformación en tan total, porque justamente se trata de decir, eso no puede ser, no hay forma de dar sentido a eso. A mí me parece que, aunque en distintos puntos del texto, ciertamente pone en cuestión como la idea tradicional de que la acción y la interpretación son dos categorías necesariamente como discontinuas u opuestas, al final la perspectiva sigue siendo que la mera interpretación no puede tomarse al mismo tiempo como transformación. O sea, sigue pareciendo que hay como una distancia insalvable entre ambas cosas. Y yo quiero preguntarle si usted como filósofo no se ha planteado alguna vez la posibilidad de que de hecho
mostrando al mismo tiempo una transformación en términos muy materiales, porque digamos, a mí me parece como que toda esta discusión está enmarcada precisamente en la dualidad entre mente y materia, que es una dualidad muy tradicional, muy comúnmente aceptada, pero también muy cuestionable. Por ejemplo, desde la perspectiva del budismo. Desde la perspectiva del budismo está la idea de que con la mera interpretación, con un mero movimiento mental, es posible producir un cambio material. Y nosotros también sabemos que actualmente hay avances, por ejemplo, en áreas, digamos, propiamente científicas, como la física, que permiten o que dan ruedo a la idea de que eso efectivamente puede ser así. Là, la question, c'est si il pense d'abord que à la fin, vous ne pouvez pas sortir d'une certaine distance entre l'interprétation et la transformation, même si vous avez dit qu'ils sont liés, mais qu'à la fin, il y a toujours un décalage entre l'interprétation et la transformation. Et il se demande si vous, comme philosophe, vous pensez que c'est vraiment comme ça, et si des perspectives théologiques comme le bouddhisme, là, ou par exemple par un seul acte mental, on peut déjà transformer les choses, bouger la matière, des choses comme ça. Et il parle aussi de réalisation, du développement de la physique, où il n'y a pas vraiment de décalage, mais il y a une espèce de continuité entre un acte mental interprété et qui se traduit directement dans une transformation physique, même matérielle. Oui, je comprends. J'ai pas de compétences pour répondre à ça. Personnellement, j'ai pas de. Je peux pas le décrire parce que je n'ai pas effectivement de compétences sur l'action effectivement de l'interprétation sur la transformation matérielle. Ce qui me semble, et c'est l'expression que j'avais essayé de reprendre, c'est l'expression d'Adorno, c'est que effectivement, lorsque j'interprète et que, par exemple, je condamne des valeurs, l'interprétation donne Adorno dit que l'interprétation se transforme à l'émal prompt, c'est une expression d'Adorno, en action. C'est-à-dire, immédiatement, est un élan vers l'action, même si ça ne se concrétise pas. De même, chez Husserl, dans la citation que j'ai donnée, lorsqu'il parle de l'imagination, qu'il faut imaginer effectivement pour pouvoir changer, il dit que cette imagination, en fait, agit sur la motivation. Et la motivation, elle va agir, enfin va se prolonger dans l'acte. Alors, moi, je ne suis pas connaisseur ni en philosophie bouddhique, ni dans les rapports entre l'esprit et le corps et la matière, pour savoir si cela se fait effectivement. Mais je pense effectivement que si vous pensez, si vous interprétez un conflit moral, que vous condamnez, alors vous pouvez ne pas agir, vous le ressentez comme une inhibition, le fait de ne pas agir. Littéralement, vous voudriez agir si vous ressentez une injustice dans un moral, dans un conflit. Je ne peux pas tellement dire plus. Si, bueno, il dit que non se siente con las suficientes competencias para hablar de pues, los casos que usted citaba, como en la filosofía budista o la física, pero que, digamos, cree que. Ya en Adorno y en Husserl, en efecto, sí está esa, llamémoslo, continuidad entre la interpretación y la transformación. Por ejemplo, cuando Adorno habla de que en la interpretación se siente una condena moral, ¿no? Se condena algo moralmente, ya ahí hay una transformación hacia la acción. En el solo hecho de interpretar algo como moralmente reprobable, ya hay algo que empuja a la acción. Lo mismo en eso que Husserl llama la imaginación. Cuando Husserl dice que la imaginación actúa sobre la motivación, es decir, el hecho de imaginar ya de inmediato lleva a una motivación que está ya dando el paso a la acción. Entonces él quiere mantenerse en estos autores donde se puede ver esa continuidad, pero no puede decir nada sobre los casos que usted cita. Primero, me llama mucho la atención el valor que de hecho ya es tradicional, que se le da a la negatividad en el campo de la interpretación, el valor productivo de la negatividad, que se vuelve una condición de posibilidad de la interpretación.
y me parece bastante llamativo que en la parte final la negatividad, o sea, básicamente la falta de comprensión, se encuentre fuertemente vinculada con el hecho de que algo pueda tener otras posibilidades. ¿Sí? De que... Solo la última, que al final del artículo... Que siempre, al final, interpretar un poco y reconocer que siempre la cosa puede tener otras posibilidades. Se abren otros campos. Ahí está la negatividad, que la cosa no es una cosa, sino que en realidad lo que hay es posibilidades y la interpretación tiene que lidiar con eso. Por eso, el valor de la imaginación acá es decisivo, porque la imaginación nos ayuda a reconocer otras posibilidades de las cuales es posible interpretar. Mi pregunta es, en últimas esto es una reflexión política, ¿sí? En últimas esto es una reflexión del valor político de la interpretación, y quisiera como que hablar un poco más del valor de la imaginación en la política. Claro, porque entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos que imaginar ahora? Nuevas democracias, nuevas formas de protesta social, nuevas formas, y en qué sentido se aplica esa imaginación, y bueno, ya eso es como la pregunta. Le rôle de l'imagination en politique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de dire, ce qui est le rôle de l'interprétation, justement, comme vous le rappelez très justement, est fondé sur la négativité. C'est un rapport négatif, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de ce qui est, sinon on n'a pas besoin d'interpréter. Donc on ne se contente pas de ce qui est. Ce qui veut dire qu'on ouvre dans ce qui est d'autres possibles. Alors, effectivement, ensuite, ces possibles sont choisis en fonction de valeurs auxquelles on adhère. Sí, bueno, dice, en efecto está confirmando lo que usted decía, el papel de la interpretación es abrir a posibilidades que no son, y esas posibilidades se escogen de acuerdo a ciertos valores. Et c'est au nom de ces valeurs, effectivement, que l'imagination se porte sur ce qui n'est pas, c'est-à-dire que l'interprétation prend toujours en compte ce qui n'est pas, et là ce qui me semble important, c'est que, et qu'on sous-estime parfois, mais qu'on trouve dans la citation que je vous ai donnée de Adorno, et qu'on retrouve sans aucune référence à Adorno chez Ricoeur dans ses réflexions sur l'utopie, c'est le statut de l'utopie, c'est-à-dire que l'utopie a un rôle d'imagination politique. Bueno, eso se entendió, ¿cierto? O sea, está hablando de que, digamos, para ver ese papel de la imaginación en política, es importante recalcar ese papel de la utopía que Adorno retoma sin citar a Riquet, pues, no, sin citar a que Riquet toma sin citar a Adorno, sí, donde justamente la utopía es la imaginación de otros posibles. Se pasa ya respondido. Sí, pero acá la utopía sirve como un ideal normativo o un contrapunto crítico. O sea, algo a lo que tiene que tender, no sé, una sociedad, o más bien algo, por ejemplo, algo que es muy interesante para leer la utopía siempre va a ser las distopías. Justo porque las distopías nos dan unos horizontes normativos desde los cuales decimos, uy, de pronto no sabemos a dónde queremos ir, pero por acá no es. Pero en el caso de la utopía, bueno, ¿qué papel juega ahí? La cuestión es... Qu'est-ce qui fait l'utopie? On porte vers l'utopie, ou l'utopie c'est plutôt l'espèce de dire c'est pas par là, comme dans la dystopie. La dystopie non, non, non. Non, l'utopie justement, à partir du moment où on a l'utopie, on pense que ce qui est ne devrait pas être, et à partir du moment où on pense que ce qui est ne devrait pas être, on pourrait être dans un non-lieu, qui n'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais que l'on pense comme étant ailleurs. C'est pas une. Ce n'est pas une inexistence comme telle. Alors, quand on pense à l'utopie, on a, c'est ce, je crois, ce que vous pouvez dire, on a une pensée normative. C'est-à-dire qu'on oppose à ce qui est, ce qui devrait être, c'est-à-dire que cela engendre des normes. Il dit que le pensement de l'utopie non est algo irréalisable ou más allá, sino que tiene un componente normativo. La utopía está, surge del reconocimiento de que eso que es no debería ser, y de inmediato hay algo ahí normativo que está actuando, y así funcionaría la utopía sin proyectar, digamos, una instancia por allá trascendente o algo así. Gernot. ¿Puedo hacer la pregunta en francés? Sí, sí. Je
je pense que dans la philosophie de l'interprétation que vous proposez, il y a dans le concept même une merveille. Et c'est la merveille de comment comprendre le non-compréhensible. Et j'ai vu deux sources, deux auteurs que vous n'avez pas cités, et qui me donnent une certaine possibilité d'appréhender, de comprendre ce qui est non-compréhensible. La première, c'est l'intuition cartésienne. Comprendre quelque chose immédiatement, par intuition. Quelque chose qui ne passe pas par la langue. Elle está diciendo que le parece maravilloso, interesante esta conferencia, eso de cómo comprender lo no comprensible, y quiere citar dos autores que no fueron citados en la conferencia, pero que le parece que podrían dar pistas sobre esa relación de comprender lo incomprensible. El primer caso es la intuición cartesiana, es una intuición inmediata. Que no pasa por la lengua. Que no pasa por el lenguaje. Y el segundo. Y el deuxième, c'est justement dans votre distinction entre faire quelque chose dans le monde ou faire comme quelque chose comme devrait être le monde, cette distinction se réfère justement à la distinction aristotélicienne qu'il fait sur la poésie. Finalement, j'ai trouvé quelque chose de très poétique dans la poésie même de votre philosophie de l'interprétation, quelque chose qui justement passe par la langue uniquement. Donc on a deux courants là qui sont un peu extrêmes peut-être, mais qui entrent dans votre philosophie, donc je voudrais juste savoir quelque chose. La segunda fuente que él ve, digamos, que iría en esta misma dirección de la filosofía de la interpretación del profesor Werner es Aristóteles. Y Aristóteles en especial en la poesía, en el sentido en que hay esa, digamos, ligación entre lo que es y lo que debería ser. Y que hay ese aspecto poético que junta esas dos cosas, lo que es y lo que debería ser. Y que bueno, que eso le pareció también un poco poético en la presentación del profesor Werner. Una diferencia que Aristóteles justamente hace en relación con la poesía, es distinguir entre interpretar el mundo como es y como debería ser, para esta distinción entre la historiografía y la poesía. Esa distinción. Y este pensamiento poético. Llegaría a un pensamiento justamente basado en la lengua. Oui, merci. Pour ce qui est de l'intuition cartésienne, oui, j'ai dit qu'il y avait effectivement une compréhension immédiate qui n'exige pas d'interprétation. Et effectivement, dans cette intuition immédiate, il n'y a pas d'interprétation. Alors, pour un nerve. Perdón, c'est solo para decir que en el caso de Descartes, lo habría tratado en su primer nivel, donde hay comprensión inmediata sin interpretación. Ese sería el caso de la intuición cartesiana. La presencia inmediata de sentido que no requiere interpretación. Sí. Digamos, estaría en esa situación. Esa es una situación que es hors interpretación o infra-interpretativa. En tant qu'herméneute, je ne peux pas parler. Mais c'est vrai, et c'était d'ailleurs l'un des premiers points, hein. Il y a des choses qu'on comprend immédiatement, qui ne font pas problème. Si, ayer le prenez mouta noir. C'est une condition de possibilité de toute compréhension, de toute façon. Il faut qu'il y ait des éléments premiers. La deuxième, donc ça, oui, effectivement, le deuxième point par rapport à Aristote, la poésie, effectivement, le modèle herméneutique, et notamment celui auquel je me réfère, est un modèle au départ philologique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que comprendre, c'est interpréter, c'est qu'on interprète lorsqu'on ne comprend pas. Et donc, de ce fait, on critique l'état de ce qui est pour essayer de lui donner une forme nouvelle. Et là, effectivement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la langue elle-même ne suffit pas à nous dire ce qui est. Donc, il y a une poétique texte est toujours l'enjeu de l'interprétation. Si, pues para retomar aquí. Sobre el segundo punto, la referencia a Aristóteles, dice que en efecto uno puede
ver que digamos, su modelo va en esa dirección porque se basa también en la filología, es decir, es un modelo filológico de interpretación donde se interpreta para comprender, se interpreta cuando no hay comprensión y se interpreta cuando no hay, no hay sentido. Y el caso filológico y poético es precisamente cuando la lengua no es suficiente, ¿no? Cuando la lengua no es suficiente para decir lo que se quiere decir, y entonces se abre a otras posibilidades. En esa poética del texto también estaría en su modelo. Y la referencia a Aristóteles es très, très juste. Ricoeur fait référence en se referant a la poética. Dice que se puede ver también esa referencia, digamos, por medio de Riquet, que Riquet sí hace el nexo directo con Aristóteles y la poética. Primero Andrés. Bien, muchas gracias por la presencia. Yo quisiera preguntar sobre el lugar del círculo hermenéutico de la comprensión en el planteamiento. Según entiendo, el círculo hermenéutico de la comprensión consiste en una relación, implicación recíproca entre interpretación y comprensión. Pero has dicho que hay posibilidad de comprender sin interpretar. El caso, por ejemplo, de la intuición cartesiana, de la así llamada percepción no conceptual, en el debate entre conceptualismo o no conceptualismo. Entonces, ¿cómo verías el círculo hermenéutico de la comprensión? ¿Lo rechazas, lo matizas o lo restringes a ciertos casos? Sí, claro. Oui, les cercles hermeneutiques, c'est la liaison entre interprétation et compréhension. Mais vous avez cité le moment où il y a compréhension sans interprétation, ou à l'inverse, le cas de l'inscription cartésienne. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec le cercle hermeneutique, le réfléchi, ou le nuancer dans votre question? Oui, personnellement, je crois qu'il faut le nuancer. Ok, moi, dis ça. Il faut le nuancer. D'une part, une compréhension sans interprétation est une condition de possibilité de la compréhension. Une compréhension sans interprétation est condition de possibilité de la compréhension. L'interprétation. Et ce que décrit le cercle hermeneutique, la relation entre j'interprète pour comprendre et. Parce que c'est ça, j'interprète pour comprendre et la compréhension est interprétation. Et ce que escribe le círculo hermenéutico est l'implication de je comprends pour interpréter et la interprétation est compréhension à su vez. Prend son sens quand on précise les opérations qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, parce qu'à l'origine, le cercle hermenéutique, c'est le tout et la partie. Hein, c'est le passage, j'ai une idée du tout. Qui me permet de comprendre la partie, mais j'ai besoin de la partie, puisqu'elle fait partie du tout, que je dois comprendre. Elle recuerda simplement que, en principe, le círculo hermenéutico est le círculo entre tout et la partie. Je veo le tout desde la partie, mais tengo necesidad de tout pour entender la partie. Et c'est la circulation de l'un à l'autre qui se fait. Alors, ça, une fois qu'on interprète, c'est comme ça qu'on procède, épistémologiquement. Et une fois qu'on interprète, procède ainsi, épistémologiquement, c'est-à-dire de tout à la partie. Sí. Donc, dès qu'on interprète, oui, on est dans le cercle hermeneutique. Donc, desde el momento en que uno interpreta, ya está en el círculo hermenéutico. Mais toute compréhension n'est pas interprétation. Pero toda comprensión no es interpretación. Sí. Hace usted una distinción entre las interpretaciones buenas y las interpretaciones malas. Y parece que las buenas estuvieran relacionadas con el tiempo, la posibilidad de que comprendan el tiempo, como decía Hegel, y que sean un tiempo elevado al concepto. El mismo Marx decía que había interpretaciones utópicas del socialismo y otras como la de él, que no eran utópicas. ¿Será que la palabra utopía o las utopías buenas son las que verdaderamente pueden prender en las masas, en las utopías malas, son las que nunca tienen posibilidad de apropiarse del tiempo en el que están hechas? Il y a des bonnes interprétations et des mauvaises interprétations. Oui, il y a des utopies qui sont. Non, mais il dit les bonnes interprétations sont. Il y a un rapport avec le temps comme chez Hegel.
le temple est élevé au niveau du concept. Alors je demande si l'utopie, c'est vraiment les bonnes utopies, ce serait l'utopie qui résiste le temps. Alors qui la relation entre interprétation et temps, oui bien sûr, puisque effectivement c'est un travail qui se fait de manière temporelle, puisqu'il y a une reconstruction, une réinterprétation, une projection dans le futur qui agit sur le présent, etc., comme on l'a vu. Chez Hegel, lorsqu'il parle du présent, il dit que c'est une interprétation, c'est une auslegung dans les principes de la philosophie du droit. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une question temporelle dans l'interprétation, parce que c'est un projecteur au futur, está metido claramente todas las dimensiones temporales, como se vio por ejemplo en Hegel, ¿no? Interpretar es en el presente. Alors, savoir si les bonnes interprétations sont celles qui se réalisent, c'est ça? Saber si las buenas interpretaciones son las que se realizan en el tiempo. En le temps, comme les utopies. Comme las utopies. Ça, je ne sais pas, parce que justement, le temps recèle toujours la possibilité de se rendre compte que quelque chose ne marche pas. Entonces no es posible afirmar que son aquellos que se realizan en el tiempo, porque precisamente el tiempo es el que hace, digamos, la distinción si eso funcionó o no. La negatividad se desplaza dans le temps. Lo negativo se despliega en el tiempo. El tiempo no sería el único criterio de realización de la utopía, porque el tiempo mismo puede negar. Bueno, yo creo que vamos a... Si había una última, tal vez vamos a hacer una última, solo que... Ok, sí, pero solo quería, digo, para que no se vayan, recordarles, se me olvidó decir al comienzo, que hay una copa de vino en la tabla de quesos a la salida. Entonces, yo dejé ir a algunos para que alcance el cuarto. Y ahí ya me hace una pregunta. C'est l'existence qui brise l'interprétation. Alors, si effectivement ça se passe comme ça, oui. Si vous voulez, quand on parle, donc là effectivement on évacue l'interprétation. Si on se place d'un point de vue herméneutique, qui est mon point de vue, le propre d'une pensée de l'interprétation, c'est justement de ne pas se soumettre à la simple événementialité, simplement à ce qui arrive. Effectivement, des choses arrivent, mais l'herméneutique intervient à partir du moment où elle se pose la question pourquoi, et dès qu'elle se pose la question pourquoi, elle a ce rapport distancié et critique qui permet éventuellement soit de justifier, soit de comprendre, etc. Mais la pure soumission à l'événement, si je prends des termes heideggeriens par exemple, hein, pour ne pas prendre des termes dans ce terme-là, le guichet, ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une approche herméneutique. Si, elle disait qu'en effet,
puede ocurrir eso, pero digamos que en ese caso no entra la hermenéutica en juego, porque la hermenéutica busca el momento de la interpretación, y la interpretación nunca es la simple sumisión al acontecer del mundo, al acontecer, diríamos, crudo del mundo, ¿no? No es una simple sumisión a eso, sino que ya la interpretación, cuando entra en juego, y ese es el momento que le interesa a la hermenéutica, es porque ya ha recogido eso acontecimental, digamos, el puro acontecimiento, para darle una valoración, para darle un sentido. Bueno, muchísimas gracias, profesor.